slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour vous présenter un peu le tout nouveau DLC. Donc le DLC Extermination que Rockstar a mis en ligne donc aujourd'hui à midi, donc le jeudi 2 octobre 2014. Donc dans ce DLC, et c'est un DLC qui a été mis en ligne pour les 1 an de GTA Online, je vais m'expliquer. Alors quand vous allez télécharger, pour les joueurs Xbox, il n'y a que les joueurs Xbox qui peuvent voir cela. Quand vous allez télécharger et tenter de télécharger le DLC, vous allez voir que dans la description du DLC, il y a écrit que ils ont mis un DLC en ligne parce que c'était le mode extermination était le mode le plus réputé depuis la sortie de GTA V Online. Donc c'est pour ça que ce DLC est bel et bien pour les 1 an de GTA Online. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques jours pour vous en parler sous forme de débat, parce que j'étais pas vraiment très très sûr qu'il allait y en avoir un. Et on va dire que ça s'avère tout simplement vrai, que mon mini débat avec un DLC pour les 1 an s'est avéré vrai. Malheureusement il n'est pas sorti le jour de la sortie pour l'anniversaire de GTA V Online, mais il est bien sorti un jour après. Donc ça prouve quand même qu'il y a qu'ils font des événements pour les 1 an. Donc ce DLC sortira, je ne sais pas quand aura lieu le prochain DLC, mais je pense qu'ils vont nous faire un petit événement pour Halloween. Après ce n'est que des suppositions et des spéculations pour le moment, mais je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils nous fassent un petit truc pour Halloween. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter tout le DLC. Je vais passer par les véhicules en allant par les vêtements. Je vais aller faire un petit tour dans les armes et aller faire un petit tour dans le mode éditeur, parce que oui il y a des nouveautés dans le mode éditeur. Et nous on va tout simplement commencer avec les voitures. Donc il y a 4 nouvelles voitures, donc 2 voitures et 2 motos que je vais vous présenter tout de suite. Donc on va tout de suite se rendre sur le téléphone, on va aller sur le site SanAndreasAuto.com. On va aller dessus, on va aller regarder les nouveaux véhicules. Ouais, voilà, donc j'avais ma nouvelle manette, donc je suis pas très très à l'aise avec parce qu'elle est pas très fluide on va dire. Donc là vous pourrez apercevoir le nouveau véhicule, donc le Calaris, qui était un véhicule déjà disponible sur GTA V Online, mais ils en ont mis une nouvelle, ils en ont mis un nouveau qui est cette fois-ci décapotable. Donc c'est exactement celui-là, hein, vous pouvez le voir, qui était disponible dans la mise à jour plagiste. Et maintenant on va aller faire un petit tour dans les motos. Alors ce que j'aurais aimé c'est que Rockstar mette la Phoenix en achat, mais malheureusement il n'y a pas. Donc la nouvelle moto qui est la Akushu et la LCC Innovation. Donc la Innovation me fait penser un peu à la moto de Franklin, et un peu style de Franklin. Et pour la moto Akushu, ça me fait plus penser à une moto de stunt. Elle ressemble beaucoup à la Bati, à part le pot d'échappement qui est vraiment très très gros sur le côté de la voiture, comme vous le voyez ici, et qu'il n'y ait pas sur la Bati. Et après bah, c'est tout. Après je pense que les stunters vont beaucoup aimer cette moto. Je ne l'ai pas encore testée, mais je la testerai d'ici peu. Et après dans le site Legendary Motorsport, nous avons la Furor GT, qui est une voiture on va dire passable. Malheureusement toutes les voitures du DLC ne peuvent pas être customisées, c'est à dire que vous ne pouvez pas changer le capot, le pare-choc arrière, il n'y a vraiment rien à changer. C'est vraiment chiant de la part de Rockstar d'avoir fait ça, parce que nous on veut des véhicules custom, pas forcément des véhicules qui vont très très vite. Faudrait vraiment qu'ils prennent ça en compte. Mais cette voiture me fait beaucoup penser à la Caméléon. Et pourquoi elle me fait penser à la Caméléon? Tout simplement parce que la Caméléon est un véhicule, le capot de la Caméléon est vraiment très très long et très très plat. Donc c'est pour cela que ça me fait vraiment penser à cette voiture. Là on va se rendre dans le Los Santos Custom pour voir à peu près tout ce qu'il y a. Et vous allez voir qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez modifier que l'intérieur de la voiture, la peinture heureusement, mais vous ne pouvez absolument rien changer à part le blindage, le moteur, le klaxon, etc. Et après il n'y a vraiment rien de nouveau. Après si vous avez remarqué des choses qui étaient nouvelles dans ce DLC, bah écoutez, mettez tout ça dans l'espace commentaire et donnez-moi tous vos avis dans l'espace commentaire. Donc si vous êtes déçu de ces DLC, si vous avez aimé, ce que vous aimez pas, ce que vous avez aimé un peu, vous donnez un peu tous vos ressentis, etc. Parce que c'est pas le tout d'être youtubeur, mais moi j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Et je pense que c'est le plus intéressant.
d'avoir une communauté. Maintenant, on va passer aux vêtements. Alors là, ce que je vais vous conseiller pour les vêtements, c'est de tous les acheter. Comme ça, si jamais il y a un glitch dans le futur avec des vêtements de ce DLC qui supprime le DLC que vous ne les avez pas achetés, bah comme ça, au moins, vous êtes sûr de les avoir. Donc, quand vous allez aller vers la caissière, vous faites flèche de droite et vous pourrez apercevoir qu'il y a trois styles de tenue. Donc, la tenue extrême lourde que vous pouvez acheter et regarder. Non. On va les regarder, voilà, tenue extrême longue. Moi personnellement j'aime bien la tenue noire que j'ai actuellement sur mon personnage. Ça me fait vraiment, je sais pas quoi dire. La tenue extrême lourde, donc ça me fait penser un peu au Joker avec leur casque tout bizarre, là tout rond, ça me fait penser au Joker. Là ça me fait plus penser à un ninja et à un braqueur. Et là ça fait penser à un mec qui est cool Raoul, si t'as un problème moi je te casse la gueule, ok, hein, t'as un problème. Non, moi je rigole pas avec toi. Après, moi ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'aller dans les hauts et dans les pantalons et d'acheter tout. Donc vous allez dans tenue extrême, haut extrême, excusez-moi. Vous allez dans haut extrême et vous achetez vraiment tout. Comme ça, si jamais il y a des futurs glitches avec des vêtements, comme c'est déjà arrivé, moi je n'avais pas les vêtements, au moins vous êtes sûr de pouvoir réaliser ce glitch qui soit fun ou même très utile. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des armes. Donc il y a un nouveau fusil de précision et un nouveau fusil à pompe qui est vraiment surpuissant. Vous allez voir comment je vais tuer les personnes juste après. Je peux les tuer vraiment à une très très grande distance. Donc il n'y a aucune nouvelle pour les braquages et pour les casinos de la part de Rockstar. Peut-être qu'ils attendent que la sortie next-gen soit prévue, ou alors ils attendent vraiment quelque chose, que les glitches ne soient plus là, etc. Je ne sais vraiment pas. Je suis très perplexe sur ce sujet. En ce qui concerne tous les glitchs et les patchs, etc., j'en reparlerai dans une autre vidéo, comme à chaque mise à jour, vous avez l'habitude. Mais vous pouvez vous attendre vraiment à du lourd. Avec tuto Facile France et Vengeance, on est vraiment choqué de ce que Rockstar ont fait. Et je vous tiendrai au courant dans la vidéo. Donc maintenant que je suis à l'ammunition, j'achète le fusil à pompe lourd, donc qui coûte très très cher et qui coûte jusqu'à 13 000. Et le nouveau fusil de précision qui coûte 15 000. Dollars, c'est je trouve ça énorme, 15 000 $ pour un fusil de précision. Alors chaque arme a une spécificité, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faudra que je vous montre aussi un petit truc dans le mode éditeur, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. De toute manière, elle devrait pas durer longtemps. Là on va se garer et on va aller tuer les passants qui sont juste ici. Vous allez voir que le fusil à pompe est vraiment surpuissant. Ils ont l'air quand même d'être loin et je n'ai mis qu'une seule balle pour les tuer. Là ils étaient vraiment trop loin, donc c'était complètement impossible. Après c'est qu'un fusil à pompe, ce n'est pas un sniper. Et maintenant on va passer au fusil de précision qui tire en mitraillette. C'est à dire qui tire pas coup par coup comme un SR ou un autre ou le balista, un truc comme ça. Là il tire vraiment en mitraillette. Donc là je tire en mitraillette, mitraillette. Donc je tire en mitraillette. Ça peut être utile pour tuer des joueurs. Et voilà, en ce qui concerne les armes, il n'y a vraiment rien de nouveau. Maintenant, on va aller dans le mode éditeur. Il y a vraiment une nouvelle chose qui est apparue dans le mode éditeur qui devrait fort vous plaire. Et c'est pour cela que je dis que c'est un événement, est un DLC pour les 1 an de GTA Online. Étant donné qu'ils ont rajouté le créateur des exterminations que vous pouvez... vous pouvez le faire, vous pouvez créer votre propre extermination et la réaliser avec vos potes. Donc c'est bien un DLC pour les 1 an de GTA Online, je sais que je me répète. Après vous faites l'extermination, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il y aura moyen de trouver des petits glitchs avec ça, je verrai bien ce que je peux faire avec cela. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me donner tous vos avis dans l'espace commentaire. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.